de personnalité du côté les citer tout à l'heure lorsque nous aurons eu leur identité précise. You're right. For the better. So as to get their way out this afternoon, like the royal pit that slips its way on notice and virtually put the town on top. All the same, the supporters of the two teams are silently left on to the right. The shower end of the field, Tribune B. I say the supporters of the two teams, they are silent. But when the machineries of the two teams must have been on motion, that when you would see the heartbeat of the supporters beating Haba and Haba Pierre-Anomba. Tout à fait, ce sera lorsque le coup d'envoi aura été présent. Fautibou Hilary. Nous avons pu observer les personnalités en noir de l'époque ou autrefois en noir. L'arbitre international de Christophe Aella. Nous avons pu observer l'entrée tout à l'heure de Moumbé Joseph Lavoisier, l'une des références de cet arbitrage. État-major, c'est-à-dire le sous-préfet des Nord. Et puisque nous parlons de ceux-là qui ont déjà fait le déplacement, tout à l'heure c'était déjà le chef d'air de votre président, mais ici je peux observer le délégué régional du tourisme. Je ne vais pas ici revenir sur son grade parce que ça peut avoir impact. L'état-major from Gobet Georgia is quite a big one, headed by the senior divisional officer. I say the assistants, the commissioner of police, the commandant. Voilà, merci. Il est là avec nous. Bamenda 1 et 2, merci. Togen Jean-Baptiste, ils sont tous là. Et nous allons, lorsque la visibilité sera plus claire, ajuster tout cela. Nous-mêmes, à partir de cette tribune ou cette cabine de fortune, on salue également la présence de tous les coachs. Ce sont ceux-là qui font bouger le sport dans le Nord-Ouest. J'ai tout à l'heure ici, et puis encore d'autres coachs bien. De Blaiseau de Rainbow FC, il y a Proban Festus est là. Et j'en oublie certainement. Et pour parler d'autres faits marquants de cette saison en Fortinet, lorsque tu parlais tout à l'heure de la FECA Foot, il y a une conférence de presse après ce qu'on a qualifié de trahison de la délégation du Nord-Ouest lorsqu'il y avait cette élection de minuit à Yaoundé. La conférence de presse a fait tourner beaucoup d'encre de salive. Aujourd'hui, on peut dire que le linge sale a été lavé en famille. C'est pour ça que nous ne reviendrons pas. On attend de voir s'il y aura ajustement au niveau régional. Mais en attendant, c'est l'équipe de Fautibou Hilary et de Tabali Bernard, de Kaba Christophe qui est encore aux commandes. Like some of the names you mentioned that are here, Pierre-Anomba, this or they are the household names in the game of football and in the sporting group. While we're expecting the arrival of the country of us called Cameroon, we are keen in giving you minute by minute commentaries from the scene of action and to tell you which way victory will go. At the shabba end of the field, the supporters are in their numbers and the turnout for today's game will begin. The level landed football team area alongside his entourage and Pierre-Anomba and most equally have to acknowledge the presence of my ever good friend, the manager of a famous hotel, Resort Hotel, out there in Gobetunda. Hotel. Il y aura également quelques activités culturelles ou encore de la culture dans cette finale. DJ Fonda of the Gendarmerie Brigade here in Bamenda Municipality. Special people right here as spectators to watch this match, ladies and gentlemen. There's going to be a special entertainment to all the spectators in front of His Excellency, the Governor of Northwest and his entourage, to commemorate the finals of
the Northwest Mini Interpol's pitching PWD Bamenda as opposing Ngoko Junior Football Club all the way from top. It's very beautiful. L'entrée en scène du secrétaire général de la région qui va donc présider cette finale. Et bientôt l'hymne national, mais ça va commencer certainement par un mot du secrétaire général de la FECAFOOT Nord-Ouest, Kaba Christopher Fontenay. Well, thanks very much, ladies and gentlemen. Pierre Nova, we just had the arrival of the His Excellency, the Secretary General of I beg your pardon, the Secretary General of the Northwest Region, who is here, and definitely at this juncture, Pierre Nampak. The Governor of the Northwest Region, here represented by the Permanent Secretary of the Region, the SDO for Ngoko Tunga Division, the Sub-Divisional Officer for Bamenda 2, and all other Sub-Divisional Officers present here. All the protocol here duly respected, ladies and gentlemen. I want to first take permission from you for this late start of this competition. In fact, the governor, the president of FECAFOOT, in an occasion they are unavoidably absent. That's why we are about to start late. The God with us, the secretary general is with us. So this day, today, we are going to get the champion team, the team that is going to represent this region at the forthcoming National Interpol to qualify for the MTN Elite 2. We know that in the region we have two teams that are in the Elite Division. We have Young Sports Academy that's in Elite 1. We have National Polytechnic that's in Elite 2. And this time around we still want another team to join Polytechnic any one moment without being represented at all the levels of football in this region. So ladies and gentlemen, sports lovers, we are so pleased that you people have come here, and we thank God for giving us this good weather. So without much ado, we are going to start, and we'll call on the disco man to lead us with the national anthem. May we rise, please. L'auteur de Hockey Journalism, Fontenay, c'est la dernière trouvaille. C'est également le secrétaire général du comité olympique pour le Nord-Ouest, Jean de Casquette Poutchon Vesselon, ancien président de Kamasej. Alors, on a envie de présenter les jeunes enfants des two teams. You can see the secrétaire of the Northwest region, accompanied with a very wonderful état-major. Two, with the it happens to be Charles Snow, who is the match commissioner, already shaking hands with the officials there present. And gradually, the will or he will be leading them to the different team. We start with the match officials. Thanks very much, Ambe McMillan. I want to assure you, ladies and gentlemen, that today's match, one will be expecting to watch good quality football. Why not football played by players who can play even in God's kingdom? As we are witnessing, the Secretary General of this region, the SDO from Bukit Tunggal,
and a host of tech affairs and government officials, saluting the players, wishing them the best, by expecting fair play. When the central replay for this game, Mozart sounded a long blast of his whistle for the debacle to be on motion. Pierre Nopat, when the national anthem was going on, my mind went back to the good old days of the Indomitable Lions. You get the national anthem, your heart begins to beat Haba, Pierre Nopat. Et c'était à l'époque où les Lions faisaient peur à toutes les nations. Est-ce encore le cas aujourd'hui, Franck Kenneth? Les Lions font toujours peur. Today, God will help our soul, and as far as the selection exercise is concerned. All the same, all is not lost, all is not lost. The race is still on, and the race is still yes, after this presentation of the competent team, of the competing teams, and the match officials, His Excellency, we are expecting to watch the official kickoff, which will be done by the Secretary-General of the Northwest Region. We are expecting the official kickoff by him any moment from now. And it's already some 30 minutes and some few seconds late into this encounter. We will be witnessing then. Et pour remonter un peu dans l'histoire, l'équipe de Mokke Tunja avait éliminé ici même au stade municipal de Bamenda, celle de Bamboulette, alors que PWD a défait les gants et tire au but. As seconds give way to minutes, ladies and gentlemen, the population of the Bamenda Municipal Stadium gets increasing, and from all the minutes of this encounter, the field. Thanks, Abe. While we expect of this final to be done by known as Gobi Tunja FC, shall be scoring from the right hand side of during his childhood life as a footballer. When he must have taken that kickoff, here he goes. At the center of the field, accompanied by the central referee for today's game, Gasulika Augustine, right here at Nampa. Majestically, the way he moves tells me that he must have been a footballer during his childhood life. He turns, what is he going to do? Here he comes, with the right leg, so stylish. You can hear the applause at the background, Pierre Anopa. Sorti de talonnade en route de le ballon. We are privileged having the Tombombo is coming to greet the people of Bamenda, and you can get the Thank you.
basketball. PWD is still in control. Around your own fighters in. Here they come against PWD. They play the man clean and clear. No point, big builder. Here, outside. Zéro pour PWD, zéro pour le capitaine AFC, et c'est un coup franc pour fil des bleus et blancs de Bamenda, le dessin numéro 6, défenseur. C'est une voix faite, un ballon qui va arriver dans les bras de Nelson Chia avec le premier juge. Lorsqu'on nous fait sa carrière, son rapport. Le ballon est en plein droit, le ballon est porté au bout. Le milieu du terrain par PWD qui relance l'ouverture et le ballon en retrait pour faire. Thank you.
second. Look at Junior's jumping. The position. Thank you.
Is this going to be
toujours prêcher cela et c'est super faire. Nous devons vous dire, une réserve et une vertu qui est ratée. Et justement, notre président de l'équipe de l'Opitude AFC, c'est le responsable de la fédération de l'Opitude AFC qui a légalement la mer de ses supporters, qui doit maîtriser mon protocole. Understanding nature of the supporters, the
deux teams. So that is when we saw when while when at this juncture they are now dancing to the pace of the game and watching good quality football play by the two teams. Pretty William Pamela in the own half of goal with a lot of upper outside races to pull the center number 6. Long kick of the ball forward. Around the center, they missed up the ball. Number 2 gets it now, actually. That was a great block. Thank you.
Try this one, no, they do.
Le capitaine
Il bénéficie d'un mouvement. Hassan. C'est pour commencer le terrain. Faucite. Les partenaires sont redevenus calmes. Bien peur des dames pluies qui visiblement sera absente cet après-midi. Encore une paix de PWD qui profite dans le côté ici. On va toucher de la main et toucher leur profit. 7 minutes, 20 et 50 sont pleins. Les Ekounous supporters of both sides, inasmuch as you may have a particular team in mind, rest assured that whatever team wins in this afternoon, we will all have to come back to support the team. So whatever be the case, here there's going to be a refreshment. Ayant parlé du fair play qu'on connaît, et il faut également retenir qu'à la fin, quel que soit le gagnant, cela ne suffit pas. Il faut que nous soyons bien des autonomes sans de serre, bien de plus renard, bien de plus content, l'espace change, One, two, three. Give it a go.
The
ball. And he's going to shoot. Go! The ball taken by the Gamba boys. We are now controlling. It was not a man right there. Beautiful interception there by Peter Vito Fernanda. And it's 5.5 minutes quickly taken by the Abata boys. Inside the arm of the goal and comes on the ball. Header taken by Peter Vito Fernanda. He turns around. They show the sharp diminishing color. Swinging on the pendulum. Here's the ball by one of his teammates who wants to push the ball forward. The ball behind. And that ball plays a position to get Peter Vito Fernanda. Le temps qui reste clément, on sait que la température est souvent prise à partir de main d'enquête. Mais lorsqu'on se traite le ciel de ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude à se faire, ce reste que pour le reste de la campagne. Même le problème des pierres à notre et des exchanging words of surfaces, exchanging words of women. Jusqu'ici, toujours un peu partout, alors que l'on vient d'aborder la 25e minute de cette saison-là, tout le monde au profit de l'équipe de l'Ontario. Les verts blancs et bleus de l'équipe de Rock et Tunga qui apprête son deuxième changement. On continue avec notre plan sur le flanc gauche. Ouverture, la défense qui s'interpose. IWD qui va encore la bataille du milieu des terrains. Comme you and I sont embracing the first vice president of Megafox National. Et seulement parti la partie de fond gauche. Et qui se laisse suspendre. Qui joue. Il va se confier. Qui peut repartir. On va prendre le terrain. Et ça se joue. Très bien, oui, fun. The winners of Gogatunda FC will remind me of one-time player of the Cameroon National Team, Omar Mahamadou, the way he is.
Akin, de l'équipe nationale de l'école de Claude Marie Roumeroua. Deuxième changement, Kotenga Kachunga ici, le dessin numéro 9, qui va rentrer. C'est lui, Boutin, qui rentre en lieu et place d'un dévoué, mais pas facilement visible, le dessin numéro 20. Ce qui laisse sa place dans son coéquipier, le capitaine Isaac, qui palise assez bien. Isaac, toujours partant du ballon, combatif Isaac, Sanson, et le dessin numéro 7 qui t'a dit, il utilise le cuir et même en son tour le cuir. Attention à sa du jeu, tirer son épingle du jeu cet après-midi. La réponse dans les 15 prochaines minutes. Qui trouve sur le même terrain le dessin numéro 10, c'était un grand junior. Grand junior, non, retour sur grand junior, j'allais dire. Et le numéro 7 qui va l'arrêter. Ce ballon, je vous le dis, Pierre, pour sur ce ballon qui va profiter. Today's final is a balance final. If you were to ask the supporters of the two teams what they would tell you, the fingers are crossed. Which way picture will go is a story that is yet to be unraveled. Here's the point of the day, one of these two teams that will have to follow the aspirations of the people of this region to the MTM to Chagos. Mais attention à l'invité indésirable. Le soleil laisse de plus en plus sa place au ciel nuageux. Le 13, il s'appelle Wissip Bakay. Pidamati, qui remonte l'air de jeu. Borke Tunja, qui relance avec ce ballon bloqué. Il comprend, non? Et c'est Borke Tunja, attention au capitaine qui est toujours aussi présent. Et ça ne passe pas cette fois-ci. Et la bataille du milieu de terrain profite toujours à Borke Tunja aussi. Attention. Il n'est pas évident que la fin de la rencontre, c'est à la 80e minute.
if the two teams came without the post practice, I think this is the moment for them, because the best jump to everything that will happen. With 2 minutes to the end of the match, ladies and gentlemen, the God of Northern Africa, the changing point, has started a great to represent our football. We are here to watch good quality cricket, good fashion, and celebrate. Olympic pour le Nord-Ouest est représenté ici et a vu sélectionner chez le président. Autant pour moi, la défense depuis des midi qui va pousser dans un premier temps, mais le ballon est toujours présent. Ballon concret et bien évidemment le comité olympique pour le Nord-Ouest. On attend. To decide either by going or by going the extra mile. Go around the center circle. Fuck the boys. Take your time in the world's language. Yeah.
Déjà 5 minutes, on va essayer de lancer la première balle.
Junior FC. Exécuté par le portier et qui bénéficie au milieu de terrain depuis le de Bamenda. Le ballon va sortir sur le plan gauche. Ça va bien, c'est juste avec les jetons, sur le plan.
Ah!
où sa bataille très dure, la vie a déjà fait deux arrêts de Thank you.
oui, PWD qui a eu une ouverture du terrain pendant cette première manche. Et c'est Macadona, lui et Samuel Nantita, qui a eu une délivrance.
terrain. Divisioners won. What can you tell us about this match today, sir? That division, the senior division. The Gokunja first division has qualified today. What can you tell us? I will tell you that the result that we have registered this afternoon, it is the